Lors de cette visite, nous avons l'occasion de présenter au public les différentes activités de l'extraction de la pierre et la vie des hommes qui ont exploité ces carrières. On aborde également aussi, c'est une opportunité qu'offrent ces carrières, de parler de géologie et du mode de formation d'une roche extrêmement importante dans la région qui est la craie. L'objectif de ces carrières était d'extraire des blocs de pierre pour utiliser dans les constructions de beaucoup de bâtiments qu'on retrouve dans la ville de Lille, dont la citadelle, la vieille bourse, l'hospice comtesse. Donc tout un ensemble de bâtiments ont été construits grâce à ces moellons qui ont été extraits à partir du XIIe siècle dans ces carrières. La galerie ici qui est visitable lors des journées du patrimoine fait une quarantaine de mètres de longueur. C'est très court par rapport à l'ensemble des carrières. C'est une zone qui est extrêmement propre et qui permet l'accueil du public dans les conditions de sécurité nécessaires. Mais le secteur de carrière en tant que tel est très étendu puisque sur le Zen, il fait 70 hectares de superficie et s'étend de Villeneuve-d'Ascq, Hellemmes et sous à peu près 60% du village de Lezennes. Les excavations les plus lointaines se trouvaient effectivement sous le grand stade. Elles ont été comblées lors de la construction du bâtiment. Et de l'autre côté, c'est l'entrée d'Hellemmes où une bonne partie est encore sur carrière. Le Zen est construit sur un réseau de carrières souterraines et les journées du patrimoine sont l'occasion de les visiter, mais sur une très petite partie d'une quarantaine, cinquantaine de mètres, en sachant que dans l'année, il n'y a aucune autorisation pour descendre dans les carrières, et même une interdiction formelle. C'est un patrimoine souterrain, certes, mais c'est un patrimoine quand même. Et c'est ce qui caractérise la ville de Lausanne. Donc il reste très peu de place encore disponible pour ces visites. C'est essentiellement dimanche. Et je pense que les derniers appels, ce sont les premiers appels qui seront les premiers servis, ou les derniers servis plutôt.